Dans l'épisode précédent de Kindred Saga. Les préparatifs de l'opération se poursuivent. Slane et Lance finissent leur traversée du district, atteignant enfin la station du Subnet à côté de laquelle se trouve le magasin d'armes de Floyd. Sur leur chemin, le duo fait la rencontre de Rocky, un Gelfling propriétaire d'un bar, qui lui aussi semble intéressé par la fête organisée par Ben Dale. C'est d'ailleurs grâce à la carte magnétique de ce dernier que le groupe parvient à pénétrer dans l'enceinte du 11e district, qui, pour des raisons de sécurité, a temporairement été placé sous la haute surveillance des patrouilles d'Ecto. En effet, une étrange créature semble sévir dans les tunnels du Subnet, enchaînant meurtre après meurtre chaque nuit, obligeant le gouvernement à instaurer un couvre-feu dans le 11e district, ainsi qu'une régulation de ses entrées et sorties. La journée s'apprête à se terminer, la plupart des citoyens sont sur le point de rentrer chez eux, et nos deux malfrats doivent encore récupérer l'équipement qui leur est nécessaire pour le casse de ce soir. Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play Kindred Saga. La dernière fois on s'est laissé sur le quai du Subnet, juste à côté du magasin d'armes de Floyd, qui souvenez-vous, était notre destination. Par contre je vois qu'il y a pas mal de monde par ici, donc on va voir si on peut tenir quelques informations. Tu savais qu'ils n'ont étendu le réseau ferroviaire jusqu'au 7ème district que depuis environ 20 ans, il fallait marcher avant. La vache, il me faut une pause, tu verrais pas mon patron dans le coin par hasard? Le train, où est le train? Bon, et là, alors là, je lui dis, si tu sors pas de ta cellule pour aller bosser, c'est fini entre nous. Tu as bien raison. Merci la technologie, à dire qu'avant, il fallait marcher jusqu'au bloc Réma. Travaille dans le bloc Réma. Ouais, en tant qu'éboueur, c'est pas la folie, mais l'endroit est vraiment très agréable. On dirait que le métro est en retard aujourd'hui. J'ai bien de la chance d'avoir un mari qui travaille à la centrale Subnet. Je peux prendre le train quand je veux. Ma famille habite dans le 19ème district. Quoi? Non, le 19ème n'est pas dans Réma. Il est situé à la toute fin de dégâts. Il y a Rocky, moi, le pas l'an dernier. Il y a des gens vraiment bizarres qui traînent dans les dégâts en ce moment. Ils portent d'étranges robes et des masques. Et puis, ils parlent dans une langue que personne ne comprend. Et se déplacent sans faire le moindre bruit. Ouais, donc les gens en robe qu'on a vu, bah d'ailleurs il y en a juste un là. Cugno, Icugno. Truc méga louche quoi. Le Subnet c'est un peu le seul truc classe qu'on peut trouver dans ce bloc. Cela dit, les wagons ont tous été fabriqués dans le bloc Réma, c'est pour cette raison qu'ils sont si beaux. On va parler à Rocky vu qu'il est juste à côté. Hop salut, vous avez pas volé de billets j'espère? Non, on récupère juste deux ou trois trucs à la boutique. Ah, au fait, t'as fait tomber ta clé. Ah, vous l'avez trouvée? Si vous saviez à quel point ça m'a causé des problèmes au checkpoint. Tu veux la récupérer? Non, vous pouvez la garder, ils m'ont donné une nouvelle. Heureusement que je connais bien ces types. C'est dingue ce qu'on peut accomplir en offrant une bière par ici ou par là. Faites gaffe à vous. C'est pas rien ce que vous avez tenté de faire ce soir. Ouais, en effet. Bon, bah je pense qu'il est temps d'aller chercher l'équipement chez Floyd. Bienvenue chez Floyd. Ah, c'est vous. Quoi de neuf, les gars? Qu'apparemment, on est connu. Ah, des clients. Qu'est-ce que... Mais qui voilà? Lance et Slane. On s'est pas vu depuis des mois? Quelles sont les nouvelles? Hey Floyd, rien de spécial. On vient juste récupérer du matos. Un nouveau coup de Dragon? Tiens, attendez là, je reviens tout de suite. Au fait, faut absolument que je vous montre un truc sur lequel j'ai bossé ces derniers mois, vous allez pas y croire. Par ici. Regardez ça. Pas magnifique? De quoi il parle? Comment dire? C'est... C'est quoi exactement? Ce que c'est? Ce que c'est?
Cette superbe œuvre d'art de pure puissance peut élever n'importe quel individu au stade de surhomme. C'est vachement cool, mais tu te sens bien, Floyd ? Parfaitement bien, laissez-moi vous expliquer. En gros, ça fait un moment que j'essaie d'exploiter la capacité de l'homme à interagir avec les forces basiques de la nature. Avec les éléments, si vous préférez. Et voilà le résultat de mes recherches. Je comprends pas vraiment le phénomène, mais les humains peuvent connecter leur aura à la planète. Un peu comme si, à la naissance, l'homme recevait une minuscule partie de l'essence planétaire. Avec des moyens, nous pourrions exploiter cette énergie ainsi que ce lien pour utiliser de la magie. Soyez attentifs. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais c'est la stricte vérité. Chaque personne peut canaliser le pouvoir interne de la planète, et c'est précisément là que ma création intervient. Avec cet appareil, même un ivrogne devrait être en mesure de tirer profit de cette communion astrale. Évidemment, il s'agit d'un domaine grandement inexploré, je m'attends donc pas à des miracles dès le début. Mais en tant qu'espèce vivante, c'est l'opportunité parfaite de s'y intéresser. Nous pourrions devenir plus forts. Pensez aux possibilités, au futur. Ok, j'ai rien compris. C'est une blague, Floyd? Une blague? Bon, je vais donc être obligé de vous montrer. Bordel de merde! C'est quoi ce délire? Ceci, mon ami, est la magie. Faut que tu me montres comment faire ça. C'est difficile? Pas vraiment. Si vous avez un peu de temps devant vous, je pourrais éventuellement vous apprendre. C'est balèze ce truc, faut l'admettre, ce type assure pas mal. J'aimerais en apprendre davantage. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ok, donc là en fait, il va s'agir d'un énorme tutoriel. Je vais vous le passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais synthétiser un petit peu les explications de Floyd de manière un petit peu plus digeste, parce que là, il va nous expliquer les subtilités du système de combat et de la magie. On se retrouve juste ensuite. Et re... Bon, ça a quand même pris 15 minutes, hein. Impressionnant, Floyd, vraiment. Juste impressionnant? Non, vraiment, c'est du très bon travail. Je vais m'en contenter. Je retourne au comptoir, vous aurez qu'à me rejoindre quand vous aurez fini. Bon, j'espère que t'as capté ce qu'il vient de raconter, parce que je suis totalement largué. Alors rassurez-vous, j'ai compris ce que Floyd a raconté. C'est un peu long par contre, du coup je vais essayer de le synthétiser de la meilleure manière possible. Donc en fait, comme il le disait au tout début, les hommes sont en mesure d'effectuer une communion avec la planète, donc avec l'éther, l'essence même de l'astre. Avec ça, en fait, avec l'appareil que Floyd vient de nous remettre, que vous voyez juste là à l'écran, on peut exploiter cette communion et en tirer de la magie. Donc chaque être humain, en fait, il naît avec une espèce de connexion à une des branches de l'astre. Donc là, par exemple, Slane, il est lié à l'élément Deima, qui est l'élément, en fait, de la vie et de la nature, donc on a des sorts de foudre, de soins, etc. Par contre, Lance, lui, il est lié à l'élément Oma, qui est plutôt un élément destructeur, donc avec le feu et les dégâts non élémentaires et des trucs un petit peu négatifs. On tue des ennemis, on reçoit des SP, qui en fait représentent un petit peu des concentrations d'énergie en fait qui contiennent les êtres vivants. Avec ces SP, on peut apprendre des sorts. Donc si par exemple maintenant je me dirige pour aller apprendre un sort tel que, je sais pas, on va prendre le sort de soin, le premier niveau il va coûter 40 SP, donc j'ai pas assez, mais je pourrais en fait mettre une concentration de SP dans le premier trou pour apprendre le premier sort de soin. On a le premier sort de vent par exemple, enfin de foudre, donc si je mettais une concentration de SP dedans, j'apprendrais en fait le second sort. On note par exemple qu'il y a aussi des sorts qui n'ont pas de premier niveau, ce sont des sorts qu'en fait vont se débloquer au fur et à mesure de l'histoire. Donc le premier truc en fait il est pas mappé dans le système de Floyd, donc on peut pas l'apprendre. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on va apprendre les sorts, et c'est aussi comme ça que le jeu y justifie l'exploitation de la magie. Du coup on va continuer. J'en profite pour sauvegarder parce que du coup, ce tutoriel il était extrêmement long, extrêmement fastidieux. Entraînez-vous bien avec la magie. Profitez-en pour me faire de la pub. Alors du coup, on est quand même venu pour ça, récupérer de l'équipement. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai grindé un petit peu en off-screen, je me suis fait un peu d'argent et quelques items. Du coup, on va pouvoir se faire un équipement. Je vois qu'on a un perceur qui est déjà un peu mieux que l'arme de Lance, pareil pour l'épée de fer.
Niveau armure, je crois qu'on a ce qu'il faut. On va prendre un gantelet rouillé pour Slane. Et il y a des chapeaux. Alors, je vais en prendre tout de suite 3, au cas où il y a un personnage qui se rajoute par la suite, comme ça c'est fait. Tâchez d'assurer ce soir, vous faites pas choper. Puis je pense que du coup, on a tout ce qu'il faut. Alors, on va équiper un petit peu tout ça. Et alors, souvenez-vous, on avait trouvé un lapis-lazuli. Celui-ci, en fait, il protège le porteur du poison, et il augmente également sa défense magique. Donc c'est plutôt sympathique, on va mettre ça sur Slane. On va aller voir également l'équipement de Lance, le perceur, le chapeau, et malheureusement on n'a pas grand chose d'autre. On avait également récupéré des objets durant les épisodes précédents, notamment des pilules. Donc en fait ce sont des objets qui mettent des statistiques permanentes. Donc là, des AP, on va les mettre à Lance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'AP. La pilule de santé, on va faire pareil, hein. Je pense qu'on va la mettre à Lance parce qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Et la vigueur, donc l'agilité, c'est la vitesse, on va la mettre à Slane parce qu'il est un peu plus lent que Lance. Et voilà, ça couvre un petit peu les objets, donc le busin qu'on a récupéré. On va pouvoir continuer et retourner au quartier général. La station semble si vide d'un coup. Ouais, c'est toujours comme ça en fin de journée. Je suppose, je sais pas, ça m'a fait bizarre. T'es quand même un type étrange. Un coup t'es aussi sensible qu'un sac de pommes de terre. Et la minute suivante t'es tout sentimental, tu veux pas te décider? Hey Lance, blague à part. T'as jamais eu l'impression qu'il y avait comme un autre toi quelque part? Pas vraiment non. J'ai souvent l'impression de pas être le seul moi en ce bas monde. Je sais, c'est totalement barré. Un rapport quelconque avec les rêves bizarres que tu fais? Je sais pas, peut-être. Mais ce rêve, putain, des fois ça me terrifie. Bon, à tous les coups, c'est rien. On se reprend, faut retourner à la cellule de toute façon. Ouais. Désolé. Tu viens? Ouais. Donc Slane qui est un peu perturbé apparemment, qui fait des rêves fréquents un peu étranges. On a le temps avant d'y aller. Les autres branlent je sais pas quoi. Où est Lance? Il est parti chercher les autres. Ah d'accord. Comment va Floyd? Plutôt bien. Il nous a montré un truc intéressant aujourd'hui. Du genre? Bah, je t'expliquerai plus tard, j'ai un mal de crâne là. J'ai le temps pour une sieste? Ouais, je te réveillerai quand ce sera l'heure. Faut qu'on soit en pleine forme pour le casse de ce soir. Cette fois-ci, pas de deuxième chance comme à Adelaide. Pas la peine de me le rappeler. Bon, tu sais quoi, je vais prendre l'air un peu. Repose-toi, mais reste alerte. Dak. Ah, donc ça, il n'y va pas fort, apparemment. Undoteus inflammatea. Ce n'est qu'une question de temps, avant que je ne te dévore. Ce n'est qu'une question de temps, avant que je ne te dévore. Ce n'est qu'une question de temps, avant que je ne te dévore. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que...
que je ne te dévore. Ce n'est qu'une question de temps. Avant que je ne te dévore. Slane. Viens à moi. Je suis ton absolution. Slane. Reste avec moi. Et là, on se retrouve mystérieusement au contrôle d'un personnage très étrange, dans ce qui semble être un village enflammé, à moitié détruit. Dirigé vers la colline. Subitement, on se retrouve à combattre un énorme dragon. Alors, on a des stats assez élevées, je pense que vous le voyez. Fléau d'Armadia. Que cherches-tu ici? ...659 dégâts quand même. Fléau d'Armadia. Pourquoi es-tu venu? Bon, il fait mal, mais on a tellement de PV que... Tu oses nous trahir? Mon pouvoir te consumera. Ton pouvoir est faux, usurpateur. Nous sommes ceux qui t'ont donné. Tu dois mourir pour tes méfaits. Pluie nébuleuse. Zéro. Qu'est-ce que... Eh là, ça fonctionne pas ton truc. Plus nébuleuse, encore une fois. Non, pas très efficace. Ma magie ne l'affecte pas. Par contre, il y a des PV, hein. Tu as attisé la colère de Dieu. Voici ta punition, Arca. Vous, les humains, êtes des créatures si restreintes et limitées. Mon espèce est la perfection même. Voyons donc cette perfection. Heracodeus. ...9999. Tout va bien. Comment ? Serions-nous aussi limités que vous ? Humains ? Les plus imparfaits sont incapables de reconnaître leur imperfection. Suis-je en train de m'éteindre ? Tout comme un humain. Tu n'as rien de divin, dragon. Ok, donc très 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 étrange. 0 XP, 0 SP, 0 Q. Bon, on va continuer par là où on était dirigé vers le bout de la colline.
Et alors là-bas, il y a une jeune fille, et je sais pas si vous vous souvenez, en fait, c'est la jeune fille qu'on a vue dans une vision au tout début du jeu. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai si froid. À l'aide. Slane. Aide-moi. Dans la toute première vision au début du jeu, elle appelait également à l'aide. Très mystérieux. C'est la seconde fois qu'on la croise. Slane. Slane. Reviens. Ma tête. Ouais, ça me fait penser. Une fois que cette affaire sera terminée, je t'emmène voir le doc. T'as encore refait le même rêve, hein? Je vois. Tâche de te remettre. Je t'attends dehors pour le briefing. Une cicatrice? C'est quoi ce délire? Ok. Bon. On vient de faire un rêve super méga étrange. D'après Jagan et Lance, qui en parlaient tout à l'heure, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Donc on se doute que c'est pas mis là par hasard et qu'il y a une signification à tout ceci, même si pour l'instant, c'est très difficile de dire de quoi il s'agit. Surtout que là en plus c'est très important de rester concentré, vu que l'opération elle va démarrer dans quelques minutes, on va bientôt partir pour le bloc Rema et donc le manoir de Bendale. Cependant ça va être tout pour cette fois-ci, on se retrouve très bientôt pour la suite de Let's Play Kindred Saga. Je vous dis à la prochaine les gars, c'était Zeland, et puis comme d'habitude, portez-vous bien.